Que de dans mon sein t'as
étage avec le piano. Là. C'est une transformation. C'est-à-dire que ce que le poème me raconte, ce que le sonnet me raconte, c'est qu'au début, on a l'impression qu'elle est vraiment dans le vif du sujet. Qu'elle parle de l'amour présent. Hein, baise-moi encore, baise-moi. Et puis on se rend compte, sur les derniers vers du sonnet, que ça se passe peut-être seulement là ou là. Et ce qui sont d'abord les battements de cœur, au début, boum, 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 de deux amants qui se rencontrent, deviennent à la fin les bruits de tricot, de machine à coudre, les bruits du quotidien de quelqu'un qui est enfermé chez elle et qui rêve, qui fait quelques saillies imaginaires pour rêver de l'amour. Donc c'est ça qui m'a donné cette idée de ce bruitage au piano. Je me souviens.
écartez-vous de moi, qui patiente sans bouche. À vos pieds, je suis né, mais vous m'avez perdu. Mes feux ont trop précisé le royaume, mon trésor a coulé contre votre bille. Le désert comme asile au seul tison slave, jamais ne m'a nommé, jamais ne m'a rendu. Souviens plus qui au juste.
joie d'être avec nous alors qu'elle est, elle sort de scène. Elle a chanté aujourd'hui, cet après-midi, deux fois encore hier, et elle nous a rejoint. C'est super. Merci d'être là. Par le soir bleu d'été, j'irai.
Chanson sur un texte que j'ai écrit et qui fait partie de mon petit recueil de textes poétiques, poésie et chansons qui se trouve sur la table là-bas. Voilà. Et donc celui-là, c'est une petite chanson dans l'esprit un peu Boris Vian. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit parce que moi, je ne le savais pas. Je ne connais pas très bien Boris Vian. Mais. En tout cas, on change de mode, là. Et une autre chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est une coproduction. C'est-à-dire que je l'ai fait avec Romy, qu'elle m'a proposé, j'avais écrit le texte, elle m'a proposé le motif thématique pour toute la chanson, et ensuite je l'ai harmonisé, et je me suis amusé à l'harmoniser en m'inspirant, en prenant la deuxième symphonie, le scherzo de la deuxième symphonie de Mahler. Je n'ai garant toi et perds ma trace, et quand je voudrais faire plus de face, il n'y a plus de chemin, oui, c'est quoi? Thank you.
je bascule sur ton fémur et le dévore à toute allure en admirant ta belle structure. Pérégrination intérieure. Merci beaucoup.